Bon. 10. Allez, un petit 11, un petit 12. On ne va pas perdre le premier. Allez, dis-t'en bien. J'ai 14. Ouais. Tiens, je te laisse requête, parce que j'ai pas encore cassé. Mecha Bawinda, scoop. Ok. Normal, Alistair est fait. Wheeler. Ok. Prospecté. Je réfléchis. Ok. Mm-hmm. Ouais, ça passe. Bonne chance. Une perle, hein. Ouais. Je vais utiliser Alistair. Un mirage. Ouais. Je vais utiliser un mirage. Damna. À toi. Drop. Ouais. Une fave. Ouais. Norme. Ouais. Chaîne 1, chaîne 2. Ouais. Okay. J'ai pas eu de chance sur le pot, c'est fou quand même. J'avais un c'est l'inconvénient de jouer une autant de pispot quoi. Bah oui. Même si là ça allait, tu vois. Mais. Discard Falco, draw 2. Yes. Tu veux pas? Ok. Pau passe. Là, t'as combien en main? Beaucoup. 7. 7, c'est énorme. Ouais. Mining. Ok. Discard Jaguar. Ouais. Tu te gazelle là. Et fait gazelle, vu que j'ai déclaré. Oh, c'est-à-dire que t'as déjà draw. Ah, soit t'as draw, soit t'as banni gazelle. Et je pense plutôt que tu l'as draw, sinon t'aurais pas forcément fait pot. Tu coupes? Ouais, pardon, excuse-moi. Je réfléchis. Vas-y, tranquille. Donc, je vais faire l'effet Jaguar. Target Falco. Ah, t'as banni ta gazelle du coup, je pense. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est un petit peu obvious là. En fait, je pensais que tu réfléchissais à savoir si tu l'activais maintenant ou si tu voulais bait autre chose. Ouais. Et quand je t'ai vu activer autre chose, je me suis dit bon bah c'est qu'il a banni là. Ok. Activer terrain. Je fais relink. Yes. Je vais déclarer Spinny sur Buildings. Ouais. Me fait 500. Yes. Et fait Spinny pour Reborn. Ouais. Thank you.
Je vais passer en battle. Yes. Taper à 1000 sur 1000. Ouais, tu bannis un lynx. Pour... Exactement. Et du coup, je prends 1000. 1000 en direct, ouais. Ça marche. Je vais sortir mon compteur après. T'en as pas. Non, t'inquiète pas, j'en ai. Ok, ça marche. Mind phase 2. Ouais. Je vais 7-1. Je vais 7-2. Fin de tour. Ok. Refase. Ouais. Stand-by, main. Ouais. Effondrement. Effet du coup. Ouais. Mais oui, de toute façon, je l'active. Ok, ouais. D'accord. Ok. Je peux pas faire grand-chose, c'est une phase à toi. Une draw. Yes. Le fait jaguar sur le lynx. Ouais. Je remets lynx dans l'extra et jaguar sur le terrain. Ok. Effet loup. Pour récupérer un monstre feu. Chez l'imper. Ok. Je vais faire bon battle hein. Ouais, ça marche. Je prends 2008. Ouais. Non, plus. Non, 3006. Il a mis 3006, 8, 6, plus, ouais. Donc tu prends 4006, donc ouais. Tu es à 3004. 3004, effectivement. Ça t'a vu. Ouais. Ok. Main phase 2 maintenant. Déclarer Felior, envoyer ta macro dans le deck. Je réfléchis. Bon, en vrai, je préfère l'activer plutôt que. Ok. Plutôt qu'elle retourne dans mon deck. Ouais, je vais 7-1, ouais. C'est tour. Non. Il y a une phase à toi. La troisième imperme. Ouais, vraiment, la troisième imperme. Ok. La probag, je la touche plus tard. Norme effet. Oui. On le remet, non? Ouais, ouais. Parce que t'as déjà norme, quoi. Donc, aller chercher l'autre, ouais. C'est pas. Bon, pas effet H. Si tu veux, hein. Relink Léo. Ouais. Envoyer une perle dans le deck. Ouais, bah, je vais l'activer, hein. J'ai mon playset d'Imperm au cimetière, c'est incroyable. Playset d'Imperm en US, c'est pour ça que le cimetière. Secret US, exactement. C'est pour ça effet Jaguar. Ouais. Bon. Ouais, c'est bon. Battle. T'es à 3004. Je réfléchis. Tu peux mettre l'étal. Ouais, oui, j'ai l'étal. Je réfléchis juste parce que du coup, je peux spé ma fleur de lys en fait. Ah. Ouais, fin de main phase, je spé fleur de lys. C'est un effet qui se déclare ou je suppose, oui. During the main phase, if a monster 1-1 est présent sur le deck, je peux spécial summon cette carte, et si je contrôle un dogmatica, j'annule un effet face à tout sans target. Donc oui, je suppose que ça se déclare. Tu supposes? Bah, tu peux lire la carte si tu veux, mais... Bah, on va partir du principe que non pour pas faire de misplay, donc du coup, on est encore en main phase. Ouais, tout à fait. Je vais juste faire ça. Effet access code target Léo. Ouais. Effet access code. Je peux gagner un Léo pour le pop, battle. Et là tu gagnes. Ok. Parce que j'avais un rugissement. Ouais. Mais si ça se déclare pas, je peux pas le. Ouais. Tirer. Mais je suis pas certain. Tout naturellement, je vais prendre la main. Quelle surprise. Je ne m'y attendais point. Je doute. J'ai jamais vu un Dogma Invoke Go 2. Hein. Enfin, tu sais, à base de droplet ou j'en sais rien, ça n'a pas d'intérêt particulier quoi. Aucun intérêt, même à base de droplet, ça ne sert à rien quoi. Ben, le truc c'est qu'aujourd'hui les decks font
Enfin, c'est très compliqué de faire du Go 2 dans le sens où les decks aujourd'hui font trop de choses. Tu sais, à l'époque où on pouvait jouer Dino Go 2, c'est que il y allait avoir une ou deux negates sur le terrain. C'est que tu n'avais pas perdu juste sur le terrain. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que tu n'avais pas perdu tour 1 en fait. Je t'ai pas cut, si ? Non. Pas fini de manger. Ok. Ok. Normal effet. Ouais, ça passe. J'ai cherché l'action. Ok. Fleur de lys. 7-1, 7-2, 7-3. À toi. Draw. Ouais. Main phase. Ouais, oh, je suis content déjà qu'il n'y ait pas de stand-by twin. Je vais réfléchir. Ok. Non. Je réfléchis. Ouais, c'est bon. Chilling 1, chilling 2. Ok, je vais répondre à chilling 3. Ouais, petit bout. Je vais activer Ice Prison. Ouf. Donc du coup, je vais rebond ton buffle sur mon terrain et bannir les deux. Je ne t'ai pas déclaré si tu bannis ou pas, mais tu peux juste rebond mon buffle. Bon, dans tous les cas, là en l'occurrence, c'est ce qui va se passer. On est bon sur l'Ice Prison ? On est bon, tu bannis du coup ? Ouais. Et moi, je vais tuto mon terrain. Ouais, et piocher deux. Activer mining. Ok. Je fais 10-4 en boule. Ouais. Effet gazelle pour l'aspect. Oui. Effet gazelle pour Flish. Combien, hein? 5. 5 en main. Dans tous les cas, tu vas remonter ton Bellings. Donc même si j'annule ça, tu vas pouvoir faire un Shellar, un Almirage, un Nital au Mirage. Attends, est-ce que tu peux envoyer des magies pièges? Non, c'est que spé, mais Nital au Mirage. C'est que spé du deck. Et elle, c'est envoyer magie piège aussi. Une carte, celle-là. Une carte, celle-là. Moi, je vais spé maximum pour la mule. Fleur de lys. Fleur de lys, pardon. Ok. Je vais invoquer Fini. Ok. Naturellement. Faire un Xyz. Ça, c'était prévisible. Hein. Parfaitement. Effet. Envoie Spinny, comme ça, il n'est pas banni. Ah, envoie Gazelle. Ah oui, tu vas la recycler. Ok, ça marche. Ça fait du deck, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Ok, pour Falco. Je vais activer terrain. À l'activation de terrain, je vais cosmique. Ouais, je prends mieux. Ouais. Mmh.
j'ai pas un monde où je joue pas sur un board comme ça. Hein. Bah sans terrain, j'ai du mal à. En fait, il y a peut-être un monde où je fais ça. Pour faire un lien 1. Ouais. Ok. Je fais un lynx. Ça dépend combien tu vas 7 surtout. T'as quoi au cimetière? T'as prison et. Prison et cosmique, j'ai rien du tout. J'ai pas plus de cartes que ce que j'avais en main de départ. À part la tuto de Ecclesia, mais tu le connais, parce qu'elle est. Faire un wolf, du coup. Ouais. Et. Une battle, c'est Ecclesia. Hein. Ouais, je prends 300. Ouais. J'aurais pu battle à 2000, mais bon, c'est grave. Bon, ouais, ça aurait pas changé grand chose. 6007. Ouais. On rappelle, Ecclesia peut être détruit par un monstre de l'extra deck. Gros face. C'est un monstre invoqué de l'Extradeck. Hein. Oui. Juste un monstre de l'Extradeck, je crois. Depuis l'Extradeck. Invoqué spécialement depuis l'Extradeck. D'accord. Donc un monstre reborn peut la péter. Voilà. Ok. Réfléchissons. Réfléchissons. Je vais tenter de rentrer en battle phase. Ouais. Je vais taper avec Fleur de Lys. Effet, tout le monde gagne 500. À part mon monstre, bien évidemment. À part mon monstre, évidemment. Tous, ouais. tous les Dogmatica gagnent 500, donc tu prends 1002. Ouais. Et du coup, je vais taper une deuxième fois 2000, du coup. Et donc là, tu prends 200. Donc, ouais. Tu prends 1004 au total. 1004, ça fait 6006. Ouais. Et ton loup, du coup, est détruit sur la deuxième battle. Je vais rentrer en main phase 2. Ouais. Je vais. Début de semaine 7-1, fin de tour. Ok, draw. Bah écoute, ça va être une grosse stand-by pour moi. Hein. Twin. Donc, je fais chez mon cost. Ok. Cost clash. Je vais répondre avec Crossout. Même pas dire que c'est utile. De quoi? C'est même pas utile dans ce cas-là, en fait, je pense. Bah, c'est pas utile, mais c'était soit ça, soit la perte, quoi. Donc, ouais. Et vu que j'ai envie de garder l'autre back row. Eh bien, je vais. Norm. Yes. C'est un bon cimetière, quand même. Hein. Ouais, bien garni. Peut-être que j'ai claqué ma Ice Prison trop tôt. Oui. Si juste pour me gérer mon lynx, c'était. Bah, en fait, je me suis dit, à tout moment, sa main est suffisamment mauvaise pour qu'il fasse plus rien derrière, quoi. Ah, non, elle était suffisamment bonne pour que je fasse quelque chose, en fait. Juste le fait de ne pas me bannir mon Salah que je discard. Oui. Tu sais que je discard un Cybers. Donc. Effet buff. Oui. Une inconnue en main. Une inconnue en main, ouais. Fais du truc par effet de carte, hein, si c'est la question. Ouais. Non accessible au combat. Mais ça, ouais. Et là, actuellement 2000. Hein. Ouais. Je fais Twin. Ça marche. C'est la schisme. Ouais, c'est une carte que j'ai pas envie d'avoir à mon départ, malheureusement, mais bon. Surtout quand j'ai aucun moyen d'accéder à mon extra deck. Hein. Mais bon.
J'avais, je préférais quand même la garder sur le terrain, tu vois. Ouais. Je vais déclarer Jaguar. Ouais. T'as Draw Twin sur, sur ton buff. Ouais, je vais redonner sur le buff. J'envoie Gazelle dans le deck pour l'invoquer SP. Yes. Je vais déclarer. Donc, du coup, Falco sur Jaguar, je vais monter Jaguar en main pour l'invoquer SP. C'est bon, pour moi. Déclarer le reboul. Ouais. À tout moment, on sort pas sur un jet. Voilà. Oui, c'est vraiment ce que j'hésite à faire, mais. C'est qu'il y a un inconnu en main, quoi. C'est inconnu, c'est un veiller, ça. Je pense que peut-être. J'aurais peut-être déjà claqué si c'était un veiller. Ouais. C'était une imperme, je l'aurais 7. Tout le moment c'est un nib, mais bon, ça. Tout le moment c'est un caillou, mais ça tu peux pas prévoir. Je me dis caillou quand tu go first, il y a peu de chance quand même. Caillou en go first, c'est un peu stupide. Ouais. Sauf si tu joues à Jinister. Effet jammer sur transcode, effet transcode pour les bandes jammer. Ouais, absolument. Et hop. Fait jammer sur access code, effet jammer sur transcode. Yes. Pas de réponse. Pas de réponse, malheureusement. Effet pour péter fleur de lys. Yes. Effet pour péter Ecclesia. Yes. On peut passer en battle. Fin de main phase, je vais activer Ecclesia. Putain, je touche. Encore une fois, je touche pas mes deux engines, c'est fou ouais. Quand même.